À Marseille, une décision devrait être prise en juin par Eugène Caselli sur le renouvellement de la délégation de services publics accordée à Veolia. Le mensuel satirique Le Ravi organise d'ailleurs ce soir un débat sur la question de la gestion de l'eau. L'occasion pour certains élus de faire entendre leur point de vue. Des représentants des Verts, du Modem et du Parti communiste ont lancé un appel au retour à la régie publique. Ils ont pu compter sur le soutien d'Anne Lestrat, l'adjointe au maire de Paris. Paris où on en est déjà retourné en régie publique. On écoute au micro de Marguerite Kiok. Si c'est possible à Paris, c'est possible, enfin en tout cas c'est possible à Marseille, comme c'est possible dans d'autres villes. Il faut une volonté politique très forte. Ça, je pense que d'ailleurs c'est ce qui prime essentiellement. Parce que justement, il n'y a pas d'obstacle juridique, économique ou social. C'est d'abord la volonté politique de créer un service public de l'eau. Et si les élus ont cette volonté-là, ils peuvent le faire avec l'aide de services, des services et du personnel bien évidemment, mais c'est possible.